Bonjour, frère Maxime, comment nous est? C'est JFL Cuisine Créole, Jean-Fédor Lundi, votre chef à la maison qui est entré là nous. Moi, dis nous un grand merci pour fidélité nous. Merci pour confiance nous. Merci pour bouche à l'oreille nous fait pour moi. Qu'on a là, même qu'on poule là entier, moi laver. Ça nous va le faire là, nous va le faire un poulet entier pané. Pour moi, commencer poulet pané hein, entier. Hein. Moi, commencer d'abord avec le sel. Moi, mettez sel partout. Si tout à l'intérieur. Qu'on a là, moi, mettez poivre. Qu'on a là, moi, mettez deux belles cuillères épices haïtiennes. On prend ça pour m'entrer épices ça partout aussi. Tout en bas, zelé, en dedans. Une fois que vous mettez toutes ces épices, moi. On a l'embrasse, mettez un mirepoix. Mettez un petit peu de carotte. On met un petit peu de céleri. On met persil. On met thym. Et on met oignon. On a dans tout mirepoix ça devant nous. On a rentré quelques parfums en dedans. En dedans, on met beaucoup d'oignon. On met carotte. Et on met un petit bois de céleri. Sans oublier. Tain et persil, n'a mis dans l'eau. Dans tout ça lui-même, c'est lui-même qui pourra le voir goût en dedans. Quand on a là, moi mettez un piment bouc là-dedans entier. Moi mettez une tasse de vin blanc. Moi mettez de l'eau là, rien. Qu'on a le petit foie à vitesse 5,5. On a là, m'a quitté le bouillir tranquillement. Et puis, après une trentaine de minutes, comme je te dis, non, après 30 minutes, là, même venir là, qu'on y a là, moi, te mette foie à 5,5 minutes, songer, qu'on a là, m'a tout mette là, et 4,5. Qu'on a là, m'a regardé, waouh! Il sentit bon, piment, censé péter la dent, c'est pas grave, m'a quitté là. J'en ai là, qu'on a ça, m'a le fait, m'a pris le fond de façon là, pour mal prendre, m'a qui est bois. Moi chercher ouais comment bral virer sans que m'pa briser l'eau. Quand là moi venir avec une spatule là moi mettez en bas moi rentrer moi trouve une façon moi rentrer spatule là pas en bas. Quand là m'a fini seulement virer. OK? N'a virer sous poitrine non, pas oublier qu'on a dit nous mettez seulement à quatre qu'on a remettre le couvrir encore. Nous pral quitter l'autre quinzaine de minutes aller là. Après l'autre 15 minutes comme ça, moi découvrir. Moi pas quitter là qu'on a là vraiment piment est en senti trop fort là qu'on a là m'a retirer. Qu'on a là après l'autre 15 minutes sous platine qu'on a mal refaire même mouvement encore qu'on a mal retirer. Voilà aller doucement pour me relever poitrine là. OK, voilà. Waouh. Maintenant, moi pour aller quitter le fond dernier 15 minutes qu'on y a là, qu'on a l'autre 15 minutes là, qu'on a ouais vient la poule là ouvert, cuisse là ouvert un peu, c'est prêt. Qu'on a bral décanter lui, décanter ça veut dire retirer dans salière pour m'en mettre dans un bol. Qu'on y a, m'a toujours fait attention, les m'a lever lui pour me lever de façon très délicate parce que bral prend pincement. On va retirer tout petit sam de mettre dans l'eau. Qu'on est là pour être capable de manger pour l'air bien, mettre dans le congélateur pendant 10 minutes. OK? Après. Mais petit jus de viande, c'est une tasse liée. Et puis qu'on a là même gagné 10 jaunes œufs. Moi mettre là et une tasse de lait là. L'aime fin, on va continuer à faire poulet entier pané à vous. Wow. OK, qu'on a l'âme quitter ça là. Ça c'est deuxième étape pour poulet entier pané. Même poulet à me sortir avec le congélateur là, il faut un peu qu'on a toujours conservé sur le dos, n'a moins déposé dans la farine. Va bien fariner partout là. Prends ensemble là, même farine doit rentrer dedans, même c'est pas un problème, OK? Mais pas besoin de la poule. On a là, on va le déposer, l'inan,
à 7 ans encore. Qu'on y a là, m'bral passer dans zeya, mélanger. Li gon tissu plus de farine là-dedans, c'est pas un problème. Au contraire, m'a besoin pour bien badigeonner là. Qu'on y a normalement, idéalement, ou pas ta supposé faire ça avec grand. Ok, on lève maintenant à 7 là. On va vider tout. Pas quitter ti mak farine parce que sou ki tout côté gen ti mak farine yo c'est ou même qui va lever. OK, on a fini là, qu'on a la m'bral déposer dans yon m'bral déposer dans un chapelier maintenant. OK, mais chapelier là si chapelier moi fait nous même qui pou konn comment nous faire à la fin vidéo après ça ou après un petit écran vidéo qui apparaît dans fin hein qui a marqué comment faire chapelier. Pesez sous lui son autre vidéo li. Qu'on a tout mettre un petit bagage là, ça c'est sous lui dos après le chita là. On va mettre dos pour l'achita là et puis qu'on a là on va mettre vider chapelier sous lui. OK? On a déposé là. Mais pour les chapelier, mais pour les bien fait là, bien doré avec chapelier. On a qui ça m'a le fait? Mettez le dans l'autre assiette encore. Qu'on y a là, m'a le mettre dans le congélateur. Yon l'autre 15 minutes. Pas plus que 15 minutes. Hein? Là, après yon 15 minutes, m'a te mettre dans le congélateur. En même temps, mettons l'huile chaud là. M'a pas faire la friteuse parce que friteuse m'a trop petit. Parce que l'autre mettez dans l'huile là, faut l'huile là, faut l'y. Faut pour la immerger au complet là-dedans parce qu'on pas cap virer. Mettez foum à 10 feu là, mettez le chaud à 5. Pas plus hein. Mais pour les là, j'aime te dire moi, mettez dans congélateur, regarde. Tout ça est bien collé là-dedans 15 minutes, OK? Qu'on a va déposer là-dedans. Parce que l'huile n'est pas tellement chaud là qu'on y a là. Mais nous allons bailler. Faut nous prudent. Voilà, OK. Qu'on a là d'ici que moi venons yon 10 minutes comme ça, qu'on a là on va le virer face en bas pour que mal fait poitrine là. Pour la prendre coloration par lui-même. Wow, OK. Ça fait presque 7 à 8 minutes depuis que m'té virer l'autre côté là. Moi toujours quitter le même genre toujours m'pas faire rien là-dedans, OK? M'a quitter le cuit tranquillement. N'oublie pas, volume moins toujours à E6. Nous avons un dos à bien coloré. Et bien, en bas, tout m'a quitté le bien coloré. Quand y a là, ça fait presque 15 minutes depuis que l'autre côté. Ça veut dire l'autre côté là, il est bien coloré. C'est ça, ça veut dire. Nous avons le viril. Et puis après ça, m'a fait mes fois. Nous avons dans le trou à dans le dos là. Et puis, nous avons passé. Et voilà. Cuit là, moi avons dans le trou. Moi levé le. Mais fais attention pour pas brûler hein, parce que l'huile lâche très chaud là qu'on y a là. OK. Et voilà qu'on a moins déposé le bol là et puis moi le mettre dans une assiette pour nous. Qu'on a maintenant assiette moi va le déposer là. Assiette ça moi va le déposer là dans là, moi aller mettre font petit bagage pour nous. Moi venir avec quelques tranches de concombre, moi t'ai coupé. Moi même moi prends concombre mais au même moi prendre n'importe quoi d'autre là, OK? On va le déposer si poulet pané entièrement là-dedans. Mais poulet là bien belle. Waouh. Tiens. Waouh. Mais si poulet pané entier. Qu'on a celle ça nous était pour nous faire là pour nous garder, nous pour garder s'il cuit. Premier côté qui est important pour nous garder s'il cuit là, c'est dans poitrine là. Wow, c'est belle croûte. Wow, c'est beau, hein? Pas besoin de goûter là, qu'on y a. Ça, c'est une recette panou sous JFL Cuisine Créole, OK? Un petit poulet pané entier. C'était JFL Cuisine Créole. Jean-Philippe Dolédi, votre chef à la maison.